Hé, hey Doc. Mm-hmm. Je me disais que ce soir serait peut-être pas mon soir pour faire l'amour. Tu crois pas? Oh. C'est une idée intéressante, mais vois-tu, on est jeudi. Steven Lottom, le nouvel opéra avance bien? Plutôt bien, oui. Selon nos discussions, on doit recevoir un premier jet des partitions dans 2 semaines. 2 semaines? Est-ce que ça tient toujours? J'éprouve malheureusement un blocage créatif en ce moment. Non, rallume-le. Sol bémol. Il se sent bien? Il s'est totalement écroulé après son dernier opéra. Ah. Je peux pas. Tu as besoin d'une bonne marche. Il faut que tu te secoues pour casser tes mauvaises habitudes. Interagis avec un inconnu. Je dois y aller, j'ai un patient. Bye! On va par là. Je continue de vous imaginer nu. Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne plus de détails. Non. Je parie que chacune de ces personnes a une histoire digne d'un opéra, Lévi. Tu fais quoi? Je pilote un bateau remorqueur. Entre deux mauvaises mains, ce bateau est une arme mortelle. Je suis accro au romantisme. Comme tout le monde, non? On m'a arrêté pour harcèlement. J'ai dû suivre une thérapie. Je suis pas censée faire ça. J'ai du mal à croire ce qui est arrivé. C'est elle qui m'a séduit, pas vrai, c'est une sorcière. La capitaine désaxée qui attire les hommes sur son remorqueur pour les tuer et les manger. Vous êtes un foutu génie. Où êtes-vous allé pêcher ça? J'étais vraiment en colère contre toi. Et là, je découvre que je suis ta muse. Tu quoi? Oh, Steven, je te quitterai jamais. J'adore frotter. La propreté est la sœur de la sainteté. Pendant que mes patients parlent, j'imagine que j'entre dans leur tête avec une bouteille de désinfectant et que je fais un grand ménage. Ta capitaine de bateau est venue me voir. Je suis amoureuse. Non! Non! Tu refuses d'avouer que j'ai eu un effet magique sur toi. Mon imagination a inventé l'histoire, mon talent a composé la musique. À ce que je sache, tu ne tues pas les hommes pour les dévorer. Eh bien, pas encore. Tu sais que je peux pas résister à une belle histoire d'amour, même si je suis pas concernée.